Bonjour tout le monde, nous sommes le 3 octobre 2024. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 30 ans. Je suis choquée d'avoir 30 ans, c'est beaucoup quand même. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savaient même pas que j'étais aussi vieille. 30 ans, waouh! Je suis moi-même choquée, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, pour mon anniversaire, je suis en Bretagne, sur la plage, avec mon mec en face de moi, qui surfe. Et moi, j'avais envie de me poser tranquillement sur la plage pour discuter un petit peu avec vous et vous faire une vidéo pour mes 30 ans. Parce que, en fait, j'ai envie de partager ça avec vous. C'est vraiment un truc de fou, quand même. Nonoko, à 30 ans, il y a quand même pas mieux comme spot pour un anniversaire. Il est 9h30 du matin, je suis vraiment bien. Il fait beau en Bretagne le jour de mon anniversaire. Les gens me regardent, mais je crois qu'à 30 ans, il est temps de s'en foutre complètement et de vivre véritablement pour soi. Ouais, j'ai 30 ans, mais dans ma tête, j'ai l'impression d'en avoir 20, 25, pas plus. J'ai pas forcément envie de grandir, mais disons qu'il y a beaucoup de choses qui se passe au quotidien, qui me font mûrir, qui me font évoluer en tant que moi, comme personne, en tant qu'une personne autiste. J'ai été diagnostiquée autiste il y a 7-8 ans et ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. C'est quand même assez fou de se faire diagnostiquer autiste à 23 ans en fait. Ça m'a donné la réponse à beaucoup de mes questions et ça m'a beaucoup aidée. Je compte continuer sur cette perspective-là, sur cette évolution. C'est un plaisir d'être qui je suis, parce que je suis très bien entourée, parce que je suis heureuse, et même en tant que personne avec un handicap, alors certes un handicap invisible, j'essaye au quotidien de le vivre le mieux possible, d'apprendre à évoluer, et je suis surtout très contente de partager ça sur les réseaux sociaux, parce que je sais que ça peut aider beaucoup de personnes en fait. Je crois sincèrement que c'est ma mission de vie et que j'ai découvert ça à mes 30 ans. Mieux vaut tard que jamais. Le spot est vraiment trop dingue pour mon anniversaire. Waouh! C'est de toute beauté. Regardez là comme je suis bien. Je suis sûre que vous vous demandez « Oui, mais pourquoi tu surfes pas, toi, Nono ?» Bah, parce qu'en fait, je me suis mis à la course à pied. Et je suis très débutante à la course à pied. Et du coup, chaque sortie est une épreuve. Et là, du coup, je ne sens plus mes jambes, techniquement, pour vous la faire globale. Du coup, voilà, je me sentais vraiment pas d'aller surfer. J'avais pas envie de me mettre la pression le jour de mon anniversaire. Le surf, c'est un sport que j'aime beaucoup et je suis encore débutante. Et du coup, il faut des extrêmement bonnes conditions pour me motiver. Ce qui, concrètement, aurait vraiment pu être le cas aujourd'hui, vous voyez. Mais j'ai plus de jambes. J'ai plus de jambes et j'avais pas envie de me faire plus souffrir que ça. Au lieu de me faire culpabiliser comme certaines fois, quand je vais pas à l'eau, parce que je sais pas, parce qu'il y a trop de monde, parce que j'ai peur du regard des autres, parce que j'ai peur d'être nulle, j'ai peur de me décevoir. Là, je me suis juste dit, il y a pas de problème. Tu te poses tranquille sur la plage, avec ton cappuccino, ton bouquin, ta caméra, et tu prends juste du temps pour toi, en fait. Et je trouve que ça, vous voyez, pour moi, c'est mûrir. Ne plus être dur avec soi-même. C'est pas facile, hein. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans cette vidéo. Parce que du coup, vu que c'est mon anniversaire, il va pas avoir une soirée ou quoi, parce que j'aime pas trop ça. Et j'aime pas être le centre de l'attention en plus, donc. Mais mes parents me rejoignent en Bretagne dès demain. 3 semaines, on va avoir le temps de faire beaucoup de choses. Et surtout, ils ont pris la décision de me rejoindre pour vivre aussi
en Bretagne, proche de moi et de Louis, et c'est juste magnifique. Ça va être un rêve qui se réalise parce que j'ai toujours rêvé habiter proche de mes parents. Et c'est vrai qu'entre les saisons, les voyages, la vie au Portugal, tout ça, on était quand même relativement loin. Pour la suite, je veux vraiment être proche d'eux. Et du coup, durant ces 3 semaines, on va visiter la Bretagne. Et surtout, on va essayer de leur trouver une maison, quoi. Ça me paraît tellement fou de dire ça. Donc voilà, d'ici 2025, mes parents aimeraient déménager du sud pour venir vivre ici. Donc voilà, je pense que je vous ferai des petits updates au fur et à mesure de tout ça. Ils vont pas loger chez nous durant ces 3 semaines. Les parents de Louis louent des maisons sur la côte. Donc voilà, ils vont être bien. Moi, je pense que je vais vivre entre mon appart et la maison où ils vont être ces 3 semaines. Donc ça va être vraiment cool de les retrouver et de découvrir la Bretagne ensemble, parce que c'est vrai que moi, je connais pas trop non plus, quoi. C'est assez fou, la vie, quand même. Donc voilà, ça va être un petit peu les préparatifs. Alors pas d'une soirée, mais de 3 semaines, 1 mois de bonheur avec mes parents en Bretagne pour mon anniversaire et pour notre future vie tous ensemble ici. J'ai 30 ans et je vais vous dire quelque chose. J'adore ma vie. On vient de rentrer à la maison. La suite du programme, il faut qu'on mange assez rapidement. C'est déjà 12h20 et Louis après doit partir travailler. Et ensuite, moi à 14h, je dois aller récupérer mes courses Leclerc au drive. Comme une grande. Parce que oui, maintenant, comme vous avez vu dans mes anciennes vidéos, on ne fait plus nos courses dans les supermarchés. Parce que les supermarchés sont beaucoup trop grands. C'est la panique complète pour moi. Il y a la solution du drive. Donc hier soir, on a commandé nos petites courses avec Louis sur internet. Et là, du coup, j'ai pris un créneau pour aller les récupérer à 14h. Même si c'est mon anniversaire, j'ai des choses à faire aujourd'hui. Retour de course. Je suis sûre que là, vous vous dites, mais pourquoi autant de courses alors qu'elle part 3 semaines? Et bien parce qu'en fait, lui, il travaille. Les jours où il travaille, ce sera beaucoup plus simple pour lui de venir dormir et manger ici. Donc voilà, fallait quand même faire les courses. Et je pense qu'il y a quand même quelques fois où moi aussi, je vais rentrer ici pour me poser un petit peu avec Louis. Donc voilà, est-ce que je vous montre? Bon, d'accord. Haricots verts, poisson pané, des gnocchis, des raviolis, ricotta épinards, des nuggets VG, des nems, du jambon, la crème, du Saint-Mauray, du chèvre, du sopalin, du papier toilette, pain de mie au seigle, de la brioche tranchée, de la lessive, de l'assouplissant, des poireaux, des petites tomates cerises, des avocats, des poivrons, oui, ils sont en sachet, mais en fait, au drive, t'as pas trop le choix non plus, donc voilà, c'est comme ça. Des oignons, des bananes, des œufs, des compotes, de l'huile d'olive, des petites galettes gras, mon péché mignon, des pois chiches, maïs, petits pois, un petit sachet de riz. Voilà pour les courses, maintenant je vais ranger tout ça. Yeah! Bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, mais en fait là j'ai même pas le temps de me poser parce que je viens de recevoir un message de Mondial Relais pour me dire que un de mes colis vintage est arrivé, et en fait c'est quelque chose que je me suis commandé et je pense que je vais pouvoir l'utiliser ce soir, parce que ce soir on va manger au restaurant et j'aimerais ressembler un peu à quelque chose, quoi. Donc je pense que je vais me motiver et je vais aller à mon point relais là maintenant tout de suite. Un petit coup de kombucha et c'est reparti. C'est vraiment mais trop bon ce truc. Et en plus, c'est que des choses bonnes pour le corps. C'est génial. J'enchaîne, let's go! Mes colis vintage, et en fait je passe devant une espèce de pâtisserie qui s'appelle French Coffee. Ils font des pâtisseries de ouf. Et là je me suis pris un petit gâteau
en mode c'est mon anniversaire quand même. On va déguster ça ensemble et j'ouvrirai mes colis vintage juste après. Un donut à la myrtille. Non mais regardez cette beauté, il est incroyable. Excellent. Joyeux anniversaire à moi. J'ai mon portable qui arrête pas de vibrer. Je reçois plein de messages pour mon anniversaire. C'est marrant parce que l'année dernière, pour mes 29 ans, vraiment, j'avais pas reçu tant de messages que ça. Là, les 30 ans, il y a du monde hein, qui envoie un message. C'est une dinguerie. Je passe un très bon anniversaire. Et d'ailleurs, je vous dis ça comme ça, mais merci beaucoup pour tous vos messages d'anniversaire. Vraiment, ça me fait trop plaisir. C'est vrai que 30 ans, c'est assez important quand même. Ça marque un petit peu. Le temps que ça marque pas sur mon visage, ça va. Pour de vrai. Je fais pas 30 ans, on est d'accord. Même mon visage et tout. Alors ? Alors, ouvrons. J'ai dit mes colis vintage. Il y en a deux, mais ils vont ensemble. Je vous ouvre le petit en premier, ça va vous faire deviner le second. Alors, du coup, alors c'est un produit de beauté, plus pour... Si je vous montre ça, un spray thermoprotect, pchit, 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 pour protéger les cheveux de la chaleur. Et là, vous vous dites, mais Nono, tu dis que tu dors avec des tresses et que t'as pas de machine chaleur pour te faire des boucles. J'en ai trouvé une sur Vinted. En fait, c'est ma coiffeuse qui m'a dit que c'était pas très très bien de dormir avec les tresses. J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai pris le plus simple d'utilisation pour faire des petites vaguelettes dans mes cheveux. J'ai pas pris le gros truc où faut enrouler, nanani nana. Moi, j'ai pris un truc où tu fais clac, 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 clac et c'est bon. Waouh. Voilà. C'en est un de la marque Osé et d'après ce que j'ai lu comme review sur internet, c'est plutôt bien. Putain, je sais pas du tout comment m'en servir. Prendre tes cheveux comme ça, portu par portu, et là t'attends. Et tu fais ça sur tous tes cheveux. Je vais l'utiliser dès ce soir pour me faire une petite coiffure pour aller au restaurant. Faudra que je me douche pas trop tard parce que je sens que ça va être une expérience ce truc et que ça va prendre beaucoup de temps. Non mais là ça va pas du tout, il est presque... Attends, mais je regarde mon poignet comme si j'avais une montre. Pas du tout. Il est quasiment 18h, j'ai pas fait ma valise. On a le resto à 19h30. Faut que je me bouge. Après en plus si je veux faire mes cheveux, oh là 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 là. Mission valise, go. Alors il faut une valise. Ah j'ai froid, pourquoi j'ai froid? Oh, je me réveille de la sieste. J'étais tout bien mitouflée comme ça. Et d'un seul coup, je me suis réveillée en mode « Hey, c'est ton anniversaire, t'as 30 ans, tu pars demain. » Ta gueule. Ah, mon Bob, excellent. Voilà, il est en matière moutmout, il est excellent. Je pense que la taille est pas mal. J'ai aucune idée de ce que je dois apporter. Des vêtements pour 3 semaines. Alors, étirement. Non, allez. Arrêtons de perdre plus de temps. Un pyjama. C'est quoi qui fait ce bruit? C'est mon ventre ou le parquet? Très important, il me faut ma tenue pour mon anniversaire qu'on va fêter dimanche midi. Ce petit haut-là, Roxy, avec mon pantalon Volcom large comme ça. Et en fait, je viens terminer la tenue avec une ceinture. Je vais prendre ce pantalon que j'ai là. Je vais pas tout déplier pour vous montrer, sinon je vais mettre 3 heures à faire ma valise. Un jean blanc, un jean normal, un jogging, un short de pyjama, tenue de sport. Donc faut que je prenne mes baskets pour Léo. Vu que ça va être le début du froid, j'ai pris 3 pulls. Mon bonobo pull préféré, Billabong. En sweat, c'est pour moi, pull et sweat, c'est pas pareil. Ce sweat là, Billabong. Mon deuxième sweat préféré, le Quicksilver. En bonne nouvelle bretonne qui s'est fait adopter par sa belle famille. Je suis obligée de prendre ma marinière. Je prends ce petit haut là, c'est un Quicksilver. Maintenant, sous-vêtements. Et forcément, à un moment, je vais avoir mes règles. Durant le mois d'octobre, techniquement. Donc il faut que je prenne mes culottes de règles. Un petit maillot de bain au cas où ça parte en mode spa, piscine ou je ne sais quoi. Maintenant tout ce qui est gilet, chemise. Mon gilet
simple, beige, comme ça. Mon gilet Roxy, mon gilet Pref. Une chemise, c'est une Burton, une Rip Curl. Ah putain, mais j'ai ma nouvelle polaire aussi là. J'ai une nouvelle polaire Billabong. Bah parfait. Et en veste, soit je prends ma Billabong rose comme ça, soit ma Arc'teryx bleue. Ouais, je prends celle-là. Quand ça se plie, ça prend plus de place normalement. Je pense que je vais aussi prendre un bonnet. Je vais prendre aussi mon bob en moutmout. En chaussures Converse beige, mes slip-on Vans, mes baskets de running, c'est des Saucony. Ma valise de vêtements est prête et je pense que je ferai le reste demain matin. Et par contre, je filmerai plus. Je vais pas prendre mon appareil photo, j'ai pas envie de filmer. Clairement, il est 19h, Louis est rentré, je sors de la douche. Je crois que clairement, je n'aurai pas du tout le temps de me faire les cheveux avec mon nouveau truc. Du coup, je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Par contre, faut que je me maquille un petit peu. Je me maquille très rarement, mais s'il y a bien un jour où faut que je me maquille, on est quand même d'accord pour dire que c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Assez rapidement parce que on a rendez-vous au resto à 19h30 et comme je vous disais, c'est un restaurant étoilé et je crois les mêmes trucs Michelin là, je sais pas quoi. C'est un restaurant qui propose un menu unique. Du coup, il faut être là à l'heure quoi. J'ai dû même reconfirmer et tout pour être sûr qu'on soit là. Donc voilà, puis de toute manière, avec Louis, on n'est jamais en retard. Et là, je pense que entre les cheveux et le make-up, j'ai plus envie de me maquiller que de faire mes cheveux. J'aurais bien aimé faire les deux, mais voilà, c'est pas grave. Bon, quand je dis make-up, moi c'est vraiment très simple, hein. Crème hydratante, je fais un petit peu mes sourcils, après je fais mascara, un petit peu de blush, un truc pour les lèvres, putain je sais même pas comment ça s'appelle, oh, un gloss. Hop, j'ai pas fini mes valises, mes parents m'ont demandé de leur amener des livres aussi, donc voilà, ça prend quand même beaucoup de place, mais normalement j'aurai un petit peu le temps demain matin, parce que demain matin il faut que j'aille acheter du fromage, je suis missionnée pour acheter du fromage, je suis trop contente, c'est vraiment une mission qui me tient à cœur. J'aimerais bien faire une séance de pilates aussi tranquille, et vu dans l'état, alors pas de stress mais d'excitation, que mes parents sont en Bretagne quoi, je pense que je vais avoir du mal à me poser demain matin et à faire mon pilates, on verra bien. J'en ai trop mis là ou quoi? Tu sors pas tout nu, je suis en train de filmer hein. Et pour finir, un petit coup de gloss. Ensuite je vais mettre mes bijoux. Hop. Voilà. En bague je mets l'alliance de ma grand-mère. Premier bijou que m'a offert Louis. Les cheveux. Hop. Écoutez hein. Voilà, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Je vais juste venir mettre cette petite huile sur mes cheveux. Là au moins ça vient les hydrater. Voilà ma tenue. J'ai mis un jean noir avec ma ceinture, débardeur noir et j'ai mis ma petite chemise Rip Curl. Là faut qu'on se bouge, faut qu'on y aille. Donc je pense que cette vidéo va se terminer ici. Je vous insérerai là à la fin de la vidéo des petits plans du restaurant et de ce qu'on aura mangé pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et merci d'avoir passé ma journée de mes 30 ans avec moi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant les gars, prenez soin de vous. Ciao ciao.